Hey les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Juste en conseil, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça prend 2 secondes et ça me fait ultra plaisir. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo dans la ville, donc ça fait vraiment longtemps, on est revenu de Mars du coup pour ceux qui n'ont pas suivi. On a eu une petite série avec Talcado dans un château de Mr. Crow. C'est un méchant en fait qu'il y avait sur la chaîne de Talcado et qui a spawn dans un château et on a fait une grosse aventure dessus. Du coup, n'hésitez pas à le voir, c'est sur la chaîne ou la chaîne Talcado aussi pour voir les deux points de vue. C'était vraiment super génial. Du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est à voir. N'hésitez pas aussi à aller dans description, il y a plein de liens qui peuvent vous intéresser comme mon Snapchat, mon Discord et aussi ma petite boutique Teespring où je vends des t-shirts, des mugs personnalisés. Du coup franchement ça vaut le coup, ça vaut le détour. Allez-y, en plus il y a plein de nouveaux designs qui sont apparus sur le petit site. Donc allez-y, achetez, n'hésitez pas à demander vos parents si vous voulez un produit. Et aujourd'hui, petit défi de like les abonnés. Aujourd'hui c'est pas 2000, 3000, 4000, c'est 5000 likes que je veux sur cette vidéo. Du coup voilà, si vous en êtes capable, vous allez sur la vidéo et vous mettez un petit pouce en l'air, vous cliquez dessus et ça me fait ultra plaisir. Et nous on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ok du coup les gars, c'est parti. J'avais ouvert la porte juste avant, donc là on va aller faire quoi? On va aller voir simplement Carlos l'alien. Du coup je sais pas s'il est chez lui le petit Carlos. Est-ce qu'il est chez lui? C'est une bonne question que je me pose. Ça se trouve il est chez Dédé, donc je sais pas si je vais chez lui ou chez Dédé directement, ça perdrait un peu moins de temps. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Dédé, bon bah là on voit pas très bien parce qu'il y a un peu du brouillard, mais au fond il y a tout simplement une grange ou une ferme, je sais pas comment vous appelez ça, je crois qu'il y a plusieurs noms, mais en tout cas Dédé habite dedans, c'est un petit fermier. Ok, bon, il y a la petite sonnette de car, enfin, Carlos il est là-bas je crois. Ouais, Carlos est là-bas, il est en train de je sais pas de retirer l'argent ou autre. Ok, on va sonner, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va répondre? Ah là là, ah, enfoiré là! Ça va? Ça faisait longtemps, mais qu'est-ce que tu faisais, Warz? Bah, quoi, ça faisait longtemps? Bah, Carlos, bah, attends, viens, on rentre et je t'explique. Alors, attends. Ça fait quasiment un peu plus d'une semaine qu'on ne voit plus en ville, Warz. D'ailleurs, j'ai pas vu ta cadeau. Où est-ce qu'il est? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu ta cadeau non plus. Si, il est rentré chez lui, t'inquiète pas. Ah oui, bah, vous êtes rentré d'où? On est rentré. Vous êtes allé sans moi, c'est ça? Vous êtes allé où? Vous êtes parti en vacances sans moi, c'est ça? Non, non, on n'est pas parti en vacances, Carlos. Ah, ça a changé ici, t'as mis une nouvelle table? Ouais, je réaménage un petit peu parce que c'est un peu beau. Ouais, c'est vrai que ta cuisine n'est pas comme d'habitude. Ok, bon, bah, du coup, voilà. Ok, Carlos, bah, du coup, ce qu'on a fait simplement avec Talcado, il y avait une mission en fait, c'était un méchant qui était dans un château et on allait le combattre. Sauf que toi, bah, vu que t'étais un peu blessé en ce moment, bah, on voulait pas que t'y ailles. Ouais. C'est bon pour toi? Bah ouais. Ok, bah je sais pas, tu me poses la question, je te réponds. Bon, vas-y, sers-moi un petit truc à manger là, Carlos, j'ai faim moi. Alors, qu'est-ce que tu veux à manger? Qu'est-ce que je veux? Bah t'as quoi dans tes placards? T'as rien. Putain, mais y'a rien du tout, Carlos, dans tes placards. Si, regarde ce qu'il y a directement. Alors, tiens, t'auras des carottes. Ouais, c'est pas des carottes ça, Carlos. Non, vraiment, de vrai, tu veux ça peut-être, ça ou ça? Alors, attends, ça c'est quoi ça? Ouais, des petites tartes, allez, allez hop, c'est bon, voilà. J'ai que ça. Bon, il y a des pommes. Ah non, c'est des oranges. Ouais, non, c'est des oranges, bananes. Carlos. C'est des bananes, ça, c'est des bananes. C'est des bananes, ça? Oh. Bon, dites-moi les gars dans les commentaires simplement si Carlos a raison. Est-ce que c'est des bananes ou pas? Moi, j'ai jamais vu des bananes oranges. Peut-être des bananes pas mûres. Bon, en tout cas, Carlos, aujourd'hui, je ne viens pas pour parler de bananes ou autre, ou ni de nourriture. Aujourd'hui, je viens tout simplement te parler. Tu sais, la dernière fois, ton père nous a donné une fusée pour que toi, moi et Dédé, on parte. Mais le problème, c'est que mes deux enfants sont restés sur ta planète, du coup, Mars. Est-ce qu'il t'a appelé là depuis? Ah bah oui, il a dit qu'il nous a renvoyé, mais j'ai oublié de te prévenir, d'ailleurs ils peuvent se cracher à n'importe quel moment. Quoi, se cracher? Mais ils ont une fusée, Carlos, ils sont pas censés se cracher. Ah ouais, mais je crois que c'est une fusée de récupération, elle peut exploser. Ah oui, il faut une piste d'atterrissage pour qu'ils atterrissent, Carlos. Oui, c'est pour ça que je te dis que ça peut s'écraser à n'importe quel moment. Bah viens, on va faire la piste d'atterrissage, sinon ils vont s'écraser. Bah attends, viens. Ah, mais c'est pas grave, c'est pas une grosse perte. Si, c'est une grosse perte, c'est mes enfants, Carlos, comment tu parles? Et les gars, Carlos, ils s'en fichent si mes enfants, bah, tout simplement, ils s'écrasent et qu'après ils perdent de la vie s'ils meurent après. Bon, Carlos, c'est pas très sympa. Bon, et t'as appelé quand ton père, Carlos? Il m'a appelé il y a 1 heure. Ah, il y a 1 heure, et t'as dit qu'ils étaient censés s'atterrir vers quelle heure? Bah, rapidement. Rapidement, oui, mais vers quelle heure? Genre, dis-moi 1 heure. Bah, je sais pas, dans 1 heure environ. Dans 1 heure, ok, donc on a 1 heure pour construire une piste d'atterrissage. Donc là, on a juste un creux de fusée. Bah, ça, on va dans tout ça, cas. Ça, on fait quoi? On le détruit? Bah, ça, on va pas le détruire. Bah, genre, je casse mais l'échelle. Non, faut le reboucher, non? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Bah, tu veux pas qu'on reste on laisse les bandes? Comme ça? Quoique, bon, non, ouais, t'as raison. Enlève. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais tout simplement le remplacer. Donc, je vais prendre la hache magique, les abonnés. Hop, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas la petite hache magique, qu'est-ce qu'elle fait? Je sélectionne un petit endroit. Hop, donc ici. Ok, nickel, je peux pas vu que j'ai masqué mon chat. Donc, on va faire à la main. C'est super, ça, mon petit Carlos. Ok. Je veux faire avec la hache magique. Tu sais faire la hache magique, toi, Carlos? Moi, je sais faire la hache magique. Bon, Carlos sait faire la hache magique. Et par contre, Carlos, t'as laissé traîner ça. Alors, regarde ta petite fusée avec.
avec les plaques là, les rampes. Attends, je vais le casser, hop, je vais tout récupérer. Bon, attends, Carlos, pour l'instant que tu fais la hache magique, je vais aller ranger la petite fusée. J'arrive tout de suite. Ok, du coup, c'est parti. On va la ranger dans un placard, donc je ne sais pas si j'en ai par ici. Il me semble que non, du coup, on va la mettre dans le frigo. Ouais, logique, je peux pas le mettre dans le frigo, logique. Je m'attendais à pas moins que ça. Du coup, alors ici, un petit placard, on va pouvoir mettre la fusée et hop, les rampes de lancement. Et c'est parti, on va aller voir si Carlos s'en sort. Carlos, tu m'as pas dit que tu faisais la. La quoi? Mais tu. Bah, t'aurais pu tout remplir, on l'aurait fait à la main, ça. Voilà, oh, qu'est-ce qu'il est bête. Non, bah non, je suis intelligent, moi d'abord. Ah ouais, t'es intelligent. T'es allé à l'école, toi? Oh, moi, je suis allé à l'école sur base, j'ai fait la petite section maternelle. La petite section maternelle, ouais, je te. Ah ouais. Je sais pas si je te crois, Carlos. Je pense et que. Après, j'ai sorti une classe, ils m'ont mis en bac pro direct. En bac pro, ouais, la chance. Moi aussi, j'y suis allé, Carlos. Ça veut dire qu'on est intelligent. Sérieusement, mais moi, j'ai fait que 2 années en bac pro. Enfin, 2 années d'école, totalement. Ah, moi, j'ai fait 3 années. Bon, du coup, voilà. Non, j'en ai fait 4, même 4 et 1. J'ai fait la petite section internet et après j'ai fait bac pro commerce. Ah, oh, okay. Non, c'est pas trop bien. Ok, ok, Carlos. Bon, du coup, c'est parti. Voilà, là on a le terrain tout simplement qui est tout neuf et tout nickel. Donc maintenant il va falloir faire une piste d'atterrissage. Donc on va la faire à peu près. Bah, je pense que jaune ça pourrait bien le faire. T'en penses quoi, Carlos? C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Ok. Bon, du coup, c'est parti. On va la faire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc c'est parti. Tac. Et là il va falloir remplir de jaune, hein, Carlos. Hein. Et du coup, oh. Là il va falloir 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups, 10, pardon. Là, elle en rebouche. Ok, du coup, là, c'est nickel. Vas-y, Carlos, fais la petite hache là. La petite hache. C'est du 251-4. Du coup, là, regardez. Là, je fais où la petite hache? Ouais, tu fermes le carré. Ah bah, on le fait à la main, sinon. Ouais, ouais, j'avoue, on va faire à la main. Il a raison, Carlos. Pour une petite zone, parce que la petite hache, en fait, ça demande des ressources, ses abonnés. Parce qu'en fait, la hache, c'est de la magie, tout simplement. Et du coup, ça peut fatiguer Carlos, vu que c'est lui qui fait les tours de magie avec la hache. Donc, c'est parti, voilà. On fait ça à la main. Je vais prendre tout simplement un petit bloc noir. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais tout simplement écrire un petit F avec. Comme ça va faire fusée. Donc, c'est parti, vu que c'est des fusées qui vont atterrir. Hop, 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 on va faire ça. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Carlos? J'ai dit, vas-y, écris plus de tout ça, écris un F, parce que tu sais, moi, en bac pro commerce, ils m'ont pas appris l'alphabet, du coup. Ah, ah ouais. C'est un F, ça. Oui, c'est un F. Bah oui, c'est un F, regarde. Lève-toi, c'est un F. Ok, ok, bon. C'est ça que c'était un peu, ça. Mais non, c'est pas un P, ça. Bon, dites-moi dans les commentaires si ça c'est un F ou pas. Si vous savez écrire la lettre F, dites-moi dans les commentaires. C'est que Carlos, pour lui, toutes les personnes ne savent pas écrire la lettre F. Bon, en tout cas, lui ne sait pas l'écrire. Bon, là, on a la lettre F. On va juste faire un petit contour avec les petites bandes. Et je pense que là, enfin, avec les petites bandes noires et jaunes de sécurité. Et je pense qu'ils vont bientôt atterrir. Hein. Il t'a dit qu'ils allaient atterrir dans 1 heure, c'est ça? Bah ouais, ça dépend du vent. Ah, ça dépend du vent, donc ça veut dire qu'ils peuvent arriver dans quelques secondes. Hein, ouais, Carlos? Ça veut dire qu'ils peuvent atterrir dans quelques secondes là. Attends, viens se mettre devant la maison, Carlos. Oui, oui, je crois qu'il y a un problème de choses à la base. T'as dit quoi? Non, rien du tout à base. Est-ce que vous avez entendu Carlos? J'ai l'impression qu'il a dit qu'il y a un problème de fusée. Il n'y a pas de problème de fusée, ils vont bientôt atterrir là, Carlos, non? Ah, ouais, sans doute. Ils atterrissent dans combien de temps? Dis-moi, Carlos, que tu sais. Non, 5, 4. Déjà, ah, tu les as vus? Oh oui, attends, il y a un truc en haut. Oh, ça descend. Oh, ça descend. Oh, regardez, il y a ma fille et mon fils qui sont descendus. J'espère qu'ils sont bien atterris. Oh, c'est quoi ça? J'ai entendu une explosion, Carlos. Papa, je crois qu'on a un petit peu tout cassé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils sont pas tombés là. Mais regarde, la fusée, elles sont pas là, Carlos. Ils sont où? Je crois qu'ils sont écrasés sur ta maison. Quoi? Ok, alors attendez, bougez pas de là, je vais vous mettre une échelle. Qu'est-ce qui s'est passé en haut? Alors attendez, hop, on va prendre une petite échelle pour les faire monter. Tac, alors on va vous mettre une échelle juste ici. Tac, 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 tac. On va casser là, hop. Aïe. Ouais, bah toi, super, je te mets une échelle, toi tu sautes. Alors, fais voir ce qu'il y a là. Ah, trop dans le toit. Oh, punaise, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez pas atterri correctement là, pas Toto? Pas notre faute, la fusée, elle a un petit peu des problèmes. C'est une fusée de récupération. Hein. Ah ouais, mais quand même, faut dire à ton père que quand même, là, il nous paye le toit, là, il va falloir tout réparer, Carlos. Ah, mon papa, il a pas d'argent. Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Donc papa il a pas d'argent, mais il va falloir qu'il économise un petit peu. Bon, au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réparer tous ensemble. Moi, c'est ça que je vous propose. Donc hop, c'est parti, on va réparer le toit de la maison. Oh, galère. T'as dit quoi, Carlos? Je dis galère. Pourquoi galère? C'est chiant. C'est chiant, ok, ok. Bon, du coup, là, Carlos il dit que c'est chiant à réparer les maisons. Simplement, Carlos, en fait, avant, ce qu'il faisait, c'est que quand il était sur Mars, il réparait pas des maisons, il réparait, je crois, des fusées tous les jours et il en avait un peu marre. Donc là, le toit, il est terminé, je crois, de construire. Il y a deux trous ou pas là? C'est bon? Non, c'est bon, j'ai fini. Ok, nickel, vas-y, va, on rentre à la maison, on va voir s'il y a des dégâts. Parce que vous, avec vos fusées là, punaise, c'est du grand n'importe quoi. Ah, y'a du dégât. C'est notre faute. Mais c'est pas votre faute, c'est vous qui atterrissez, c'est vous qui prenez le contrôle de la fusée, non? C'est le papa de Carlos.
Ça va, mon lit, il est toujours là. Allez, hop, une petite sieste. Oui, déjà. Je peux pas. Carlos, on va faire quelque chose cet après-midi ou pas? Bah, moi, on va aller au grec. On va aller au grec, vous voulez venir? Ah, bah oui. C'est trop bon, le kebab. Ouais, c'est trop bon, le kebab. En plus, faudrait qu'il y en ait un dans la ville, parce que je crois qu'il faut aller super loin pour avoir un kebab. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un kebab, bon, c'est salade, tomate, oignon avec un petit pain, voilà, vous mettez tout dedans avec votre sauce que vous voulez. Carlos, là, t'aimes bien quoi comme sauce? Moi, j'adore Algerian Blanc Showers. Ok. Amenez le grec à la maison. Et toi, tu prends quelle sauce pour ton grec? Moi, sauce samouraï, ça pique. Ok. Ah oui, d'accord. Et ma fille, tu prends quoi, toi? Sauce blanche. Ah, d'accord. Ok, super. Et moi, je prends en général soit sans... Non, je suis pas sans sauce. J'ai jamais goûté sans sauce. Ouais. Oh, bien joué, Carlos. Comment tu sais ça, Carlos? Parce que ton amoureux gospel prend la même chose. Jure. Ah, ouais. Le sang. Ok, bon, nickel, on va bien s'entendre. Ah ouais, Oxymos, t'es dégoûté. Bah, dites-nous dans les commentaires simplement les abonnés pour ceux qui ont déjà mangé un grec ou un kebab, parce que ça a plusieurs noms. Il y en a qui l'appellent grec, il y en a qui l'appellent ça kebab. Moi, en général, je fais partie des gens qui l'appellent kebab. Je trouve ça plus significatif parce que grec, c'est un peu un grand choix de bouffe. N'hésitez pas à me dire les commentaires qu'est-ce que vous mettez tout simplement dans vos kebabs ou même quand vous y allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez manger dedans. Bon, Carlo, j'aimerais bien voir ta maison quand même pour la fin de la vidéo. Attendez, mais vous avez pas écrasé là? Mais attends, y'a pas eu un accident aussi ici, hein? Non, ça c'était la Red Bus, mais il a pété. Ah ok, bah falloir le remettre, il va falloir qu'on demande à la ville de le reconstruire. C'est la ville qui va le remettre parce qu'il y a quelqu'un qui a foncé dans la voiture et il a explosé. J'espère que c'est pas toi, Carlos, avec ta voiture. Non, c'est pas vrai. Ouais, j'espère. Ok, bon du coup c'est parti, on va aller voir la maison de Carlos, s'il y a eu du changement ou pas. Ici y'a rien. Alors, elle est passée où ta voiture, Carlos? Ma voiture, Je crois qu'elle est explosée. Ouais, mais moi je crois que les enfants, je crois que c'est Carlos qui a eu l'accident là-bas. Ouais, qui a avec pété le trottoir. Carlos, peut-être d'innocent là. Ouais, Carlos, c'est toi, hein, dis-nous-le. Non, ma voiture, elle est chez le garage aussi. Ouais, c'est ça. Eh les gars, les abonnés, les amis, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Carlos, c'est lui qui a détruit l'abribus simplement, qu'il y avait là-bas? Il nous a dit que c'était quelqu'un, il l'avait pas vu. Et là, Carlos, comme par hasard, sa voiture n'est pas ici. Du coup, je pense que c'est lui. Bon, on va voir s'il y a d'autres endroits qui ont changé. Je crois que la cuisine avait bien changé chez Carlos. Donc ça, on l'a déjà vu. Ici, sa chambre, qu'est-ce qui a changé? Dis-moi pas que t'as vendu toutes tes affaires de sport, Carlos. Oh, et ils sont où toutes tes affaires de sport, Carlos? Oh, j'avais besoin d'argent parce que j'ai dû repayer un abribus. Waouh, ah bah voilà, bah c'est toi alors. Non, c'est pas moi. Oh, mais il est bête, Carlos, il vient de se cramer lui-même. Il vient de dire comme quoi il a vendu toutes ses affaires de sport que je lui avais achetées pour acheter un abribus. Donc voilà, pour réparer l'abribus de la ville qu'il a détruit. Et là, il est en train de dire que c'est pas lui qui l'a détruit, alors que j'en suis sûr que c'est lui. Donc, je vais mettre un abribus dans mon jardin en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, menteur. Toto, t'en penses quoi, toi? Moi j'en pense qu'il a encore tout cassé, hein. Ouais, il a tout cassé. Et toi, Luna, t'en penses quoi? Bah, comme Toto, hein. Comme Toto, ok, bah, vous avez toujours le même avis, vous deux. Bon, en tout cas, voilà les gars. En tout cas, Carlos, bon, il va falloir qu'on se réunisse simplement pour acheter un abribus. N'hésitez pas, Carlos, sur sa chaîne, les gars, il est en train de sortir beaucoup de vidéos. Du coup, franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ça fait vraiment plaisir. Le monde qui va voir la chaîne de Carlos, mettre des likes, mettre des commentaires, etc. Franchement, vous gérez de ouf. En plus, là, je pense qu'il va faire des vidéos avec son ami Dédé ou même des vidéos avec mes enfants ou moi-même. Donc, on verra un peu comment ça va se dérouler. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sous cette vidéo. Aujourd'hui, on tente combien de likes, Carlos? T'entends 6000 pouces bleus, les amis. Wow. 6000 pouces bleus, ok. Bon, Luna et Toto, vous êtes d'accord, 6000 pouces bleus? Ouais, nickel. Ok. Vas-y, va chez le garage list, Carlos, à tout à l'heure. Bon, du coup, en tout cas, voilà, n'hésitez pas tous à mettre un pouce bleu. Aujourd'hui, le défi, c'est 6000 pouces bleus. Moi, au début de la vidéo, je vous avais dit 5000, mais bon, 6000, c'est encore mieux. Donc voilà, on va voir si vous allez réussir à faire ce petit défi de pouce bleu. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit pouce bleu en l'air, simplement pour que ça mette un like, parce qu'il y en a plein qui savent même pas comment mettre un like. Et si vous n'avez pas de compte Google, n'hésitez pas à vous en créer un ou à demander à vos parents d'en faire un, tout simplement pour mettre des commentaires et vous abonner aux chaînes YouTube. Voilà, pour s'abonner, vous appuyez sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo, ça coûte rien. Et aujourd'hui, on va faire un petit défi, c'est de mettre un commentaire avec le mot fusée. Voilà, voilà. Non, vous mettez le mot grec. Le mot quoi? Grec. Le mot grec, t'es sûr? Ouais, bah ouais, parce qu'on va manger un grec, donc alors après. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bon, du coup, voilà, Luna, elle vous dit, mettez un commentaire avec le mot grec. Tout simplement, voilà, vu qu'on va manger un grec, mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous mangez quand vous allez au grec. Dites-moi, vous mangez un grec combien de fois par semaine, etc. Je vous mettez tout dans les commentaires. Je vous fais confiance. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Awariz. Ciao tout le monde.